Salem est là. Mettez la gabonote là. Mais qui mal foutu ça? Si on s'est mangé cochon. Si la raille t'a là. Vais pas de chou à l'autre là. Mensonge et trahison. Si on s'est mangé cochon. Dans l'épisode précédent, Monsieur le maire se retrouvait dans un moment love avec sa femme Ginette qui le trompe avec son premier adjoint. Quand elle lui dit qu'il est fidèle, le téléphone sonne. Et au PG devinez qui est au bout du fil. Sa maîtresse Annick qui l'appelle pour lui parler de leur enfant que Monsieur le maire ne veut pas reconnaître. Monsieur le maire est mêlé. Il attend juste chuchoter dans le téléphone pour que sa femme n'entende pas. Mais que veux-tu, Annick? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux détruire mon ménage et ma carrière? Oh là là, pour j'ai dit tout ça, monsieur, moi. Manja Dieu. Après le libre service, moi ne peux pas entrer et sortir, moi, comme ça, j'en ai fait. Moi aussi, j'ai une échelle. Oui, je sais, Annick, mais ces informations peuvent me nuire. En plus, les élections arrivent. En apprenant, mon adversaire, Edouard Fokop, peut les utiliser contre moi. Je peux tout perdre, Annick. Ça peut foutre moi. S'il te plaît, ne sois pas vulgaire, Annick. Ça peut foutre moi, Dieu. En plus, si vous n'avez pas ce testament, pourquoi qu'il va pas faire? Et d'ailleurs, pourquoi on fait pas moi? Ah, on comprend. Femme de ménage à la mairie, la trop petit bao. Il prend classe sociale à monsieur le maire. Mais non, c'est pas ça. Matiao, la mairie, ou quoi c'est mon bureau? Ninique, comme ninique. L'animoun, ou quoi oublier non, moi? En plus, ou quoi faut déjeuner chopette, ou pas même inviter moi? Mais non, c'est pas ça. Pourquoi moi pour t'aimer? Toute madame ma maîtresse a ok là, en trop petit bas, voilà les mots. De toute façon, Ninique veut pas encore. Et pourquoi tu me persécutes alors? Eh ben monsieur le maire, ça va bite. Animal déballé et serpillé ou à la mairie. Avec qui m'a pris une bique? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, Annick. Tu dis quoi? Eh ben, mon très cher Maugouyao, le femme de ménage veut devenir premier adjoint. Quoi? C'est ça ou t'en? Moi, on s'en fait promener par radé, dièse, belle voiture avec crime. Mais c'est insensé. Tu n'as même pas un BPC et ton français est assuré. Ça pas grave. Trouvez le moyen. Sinon, tout grand bé des flamboyants qui savent que monsieur le maire a payé le loyer à maîtresse aïe, et veut bijoux aïe, et veut l'argent aïe, et qu'on a un petit monde de non, Annick, tu n'oseras pas. C'est ça, nous que vous au revoir. Allô? Allô? Annick? Et Nanette qui sort de la cuisine et qui dit à son mari. Y'a un souci, chérie? Tu as l'air contrarié. Y aurait-il un souci au déjeuner champêtre? Non, ça va, Nénette, t'inquiète. C'est juste un problème de micro, Oh, un problème là. Et pendant ce temps, à la radio, passe un morceau. Écoute, mon doudou, à la radio, c'est notre morceau. Celui sur lequel on s'est rencontrés, tu te souviens? Fais du feu près de la cheminée. Le morceau qui interprète si bien, monsieur Jean Zénard. Fais-moi danser, mon Jack. D'accord, ma nénette. Fais du feu dans la cheminée. Je reviens chez nous. Sans sel, manger cochon. Ouais, mi salopte, mi.